Bonjour, je suis Kurt Luders, titulaire de cet orgue depuis quelque 25 ans. En fait, je l'ai connu en 1972 quand je suis venu des États-Unis, donc on peut dire que je connais assez intimement cet instrument. Et je le joue régulièrement pour les cultes et certains concerts. Cet instrument est un instrument historique et il a été fait d'abord avec l'église en 1865, et fait par le meilleur facteur d'orgue peut-être de tous les temps, une sorte de Stradivarius de l'orgue, qui s'appelait Aristide Cavaillé-Coll, qui a vécu de 1811 à 1899. Donc vous voyez, c'est une de ses dernières œuvres, à tel point qu'il a été en fait achevé par son successeur Charles Mutin. Et de ce fait, il a d'emblée un prestige automatique auprès de tous les organistes du monde, tout simplement. Mais le problème actuellement, c'est qu'il n'a pas été relevé, c'est-à-dire pas vraiment refait depuis quelque 40 ans. Ce n'est pas vraiment une restauration parce qu'il n'a pas besoin d'être restauré, mais comme toute machine qui s'use, il a besoin d'être nettoyé, démonté, nettoyé, les parties usées, remplacées, etc. Quand par exemple on tire une note, une sonorité, parfois à l'intérieur du sommier, là où le vent est dirigé dans les divers tuyaux, si je joue une note et une autre, et puis, bon, c'est un peu désaccordé, mais malgré cela, les deux ensemble, et il y a une autre note qui parle. Il y a aussi des problèmes mécaniques du même ordre. Par exemple, un mécanisme qui s'appelle un appel-renvoi mécanique reversible. Or, ces mécanismes sont usés. Par exemple, si je prends l'autre, bon, ben, il marche moyennement bien. Vous voyez, là, il bloque même. Voilà. Donc un concertiste ou un organiste liturgique ne peut pas utiliser ces mécanismes. Si on prend le livre d'or, il y a beaucoup d'organistes qui sont venus, des classes d'orgue, des visites de groupes d'organistes du monde entier qui sont venus pour voir ce petit instrument, mais qui sonne comme un grand. Et ce sont les Américains qui, je crois, pour la première fois, m'ont fait connaître cette expression « multum in parvo », c'est-à-dire petit, mais ayant un effet très grand. Et si je tire tous les jeux de l'instrument, en tout cas tous les jeux qui font de la force, je les mets ensemble, le résultat est littéralement incroyable pour les gens qui voient ce petit instrument.